هذه الدوره. الحمد لله قدينا دونك اون ريوسي على ميتر ان بلاس من بعد دو زاني دابسونس. تمام. اون ايسيي دو غاردي لو ليان مع لو بروفيسيونيل، مع حيت السينما تحريك ما توقفش هاد العامين، الناس بقات تخدم. طبعا طبعا طبعا، وافلام جديده خرجت دونك خلينا دونك تواصل مع لي بروفيسيونيل هاد العامين باش اي دونك كانت بسهوله الحمد لله. الحمد لله الجواب ديالهم صديق ديك مون لي زا كونتاكتي في اكتوبر، حيت كنا غادي نديرو الدوره في شهر 3 كالعاده. نعم. ساعة ما تمكناش دونك عاوتاني اخرنا لهاد شهر ماي، بخونون ان ريسك باسكو كانوا باقيين السلطات ما حلوش الاماكن العموميه ولي زوتوريزاسيون اللي كانوا ما عطاوهم. بالحق الحمد لله فوالا اون افي سو باري و finalement on a eu donc le raccord parce que c'est un des premiers festivals qui a repris. Donc بالنسبه للضيوف on n'a pas eu de problème حيت عندنا des vrais ambassadeurs du festival الحمد لله à l'étranger, que ce soit en Afrique ou là en Europe ou là aux États-Unis. Après 20 ans on a donc des invités qui sont notre porte-parole et le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc, les invités. Donc on arrive à avoir des invités prestigieux parce qu'ils ont entendu parler en bien du festival d'un point de vue voilà, organisation, échange, etc. Et ce qui les intéresse beaucoup, c'est cette convivialité, le côté facile d'accès. Tout le monde est accessible ici, donc on voit des grands réalisateurs comme Michel Oslo, qui parle à tout le monde, qui est très disponible, que ce soit pour les médias ou là, le grand public, ou là, les enfants à travers les scolaires. يعني مختلف على الدورات اللي سبقتها، فكان حضور لافت للانتباه من لا من المغرب ولا من خارج المغرب. الحمد لله الحمد لله هادشي كله فوالا سي كيك شوز كي سي كونستروي داني اون اني. تماما. اي دونك بالنسبه للحضور اون سكي في فريمون تري بليزير هو انه لي زيتيديون ديال لي زيكول دار les écoles d'audiovisuel marocain qu'on prend en charge en tant que fondation Aïcha organisatrice du festival pour qu'ils bénéficient des ateliers de formation, des échanges avec les invités, etc. Donc ça c'est très important pour eux parce qu'ils prennent des cartes visite, ils échangent et ça leur permet de trouver des stages, de rebondir. Donc le jadid li kan anna had l'am, franchement on a franchi un cap. L'organisation du premier forum du cinéma d'animation en marge du festival. Et ce qui nous a encouragé à franchir ce cap, c'est que les chaînes marocaines publiques ont décidé de produire des séries d'animation marocaines. Donc, il était à Eldo, elle a pris ça sur le Maghrebia et ça, c'est très important. Donc, à Tchich, j'ai déroulé le forum. Où le forum, vraiment, il a eu un grand succès parce que les étudiants ont pu échanger avec les studios d'animation marocains. Les studios d'animation, ils ont pu présenter leur travail à monsieur le gouverneur, à monsieur le président de la commune. Donc voilà, le TG, peut-être qu'ils vont trouver des choses à faire et des nouveaux métiers, Inch'Allah, à créer à Meknès. C'est très important pour nous toute cette discipline d'animation se développe à Meknès parce que voilà, c'est un vrai défi économique, culturel, ça va créer des métiers. Et tabarakallah, on a la jeunesse très douée. Tous les formateurs qui viennent de l'extérieur ou qui diront qui comment le Ouarachet, on a la jeunesse marocaine, les étudiants des écoles d'art, ils sont doués. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire d'année en année, alhamdoulilah. وخاصة أن الحمد لله كنا كنشوفوك أن في كل دورة الدورة اللي موراها ما كنشوفوا الجديد. كاين يعني هذا ما يدل على أنه كاين اجتهاد، كاين واحد ليكيب اللي كتخدم يعني ليلة نهار باش يوفروا لنا وباش ينجحوا هذا الفيستيفال. أستاذة، آخر سؤال. لاحظنا واحد الاقبال متزايد حتى على المؤسسات الاعلاميه الدوليه. Oui. أبار المؤسسات الاعلاميه الوطنيه، فلقينا حتى واحد اقبال اكثر على الاعلاميين.
Voilà, le festival est de plus en plus connu, même à l'échelle internationale. Cette année, les gens de TV5 Monde, ils se sont déplacés, c'est des partenaires. Donc, ils ont diffusé le festival sur leur antenne Maghreb-Orient. Donc, la bande-annonce, des reportages sur le festival. On a aussi beaucoup de presse écrite en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a des invités américains qui sont venus. Monsieur Alex Kronmer qui a présenté. Et Canada aussi. Oui, le Canada. Donc tout ça, ça permet de relayer le festival un petit peu partout dans le monde. Absolument. Au Japon, donc avec la présence de Monsieur Watanabe. Dar al-Tawassul jid mouhim ala al-Maghreb ou ala fikam le Japon, nisba al-hudour dialo hna. Ou même le festival à Paris, il profite de sa venue ici. Bach yistqblou f Paris, inch'Allah, à partir de demain. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma